Aloha, bienvenue à toi. Tele olianaka, ala ole eniane, umane yenne kia walana, una wema ka wetantana o, umalakia kantana o manakiake. Prends une profonde respiration avec moi. Inspire. Garde le souffle poumon plein quelques instants. Expire. Je voudrais partager avec toi un petit reminder, un petit rappel. Nous créons à chaque instant notre univers intérieur. Nous nourrissons à chaque instant notre univers intérieur par les pensées que nous acceptons comme vraies, par les émotions qui nous traversent, par l'environnement dans lequel on choisit de vivre, par les relations que l'on choisit de nourrir, mais également par la nourriture que nous mettrons dans notre corps, qu'elle soit justement de la nourriture physique, alimentaire, comme de la nourriture spirituelle, comme de la nourriture émotionnelle, par les choses que nous regardons, nous lisons, par les échanges, les interactions. Il est de la responsabilité de chacun de nourrir son univers intérieur, de ce qui fait sens pour lui. Et je voudrais te rappeler ô combien c'est important. Tu nourris à chaque instant ton univers intérieur par tout ce que tu ingères dans ton intériorité, tu crées un univers. C'est comme quand tu te nourris d'un fruit, cet fruit va se transformer en cellule. Tu te nourris d'un hamburger, cet hamburger va se transformer en tes cellules. Le fruit et l'hamburger n'ont pas la même vibration l'un que l'autre, qui ne créera pas la même, qui ne soutiendra pas une certaine fréquence vibratoire dans ton être. Là, je te donne l'exemple de la nourriture parce que c'est plus facile. Mais ça, c'est pareil avec l'environnement dans lequel tu vis, avec les relations que tu nourris, avec la nourriture spirituelle que tu donnes à ton être. Est-ce que tu prends des temps de connexion avec toi-même, des temps de silence, des temps de méditation, des temps de reliance avec le grand vivant? C'est pareil avec la nourriture intellectuelle que tu donnes à ton être. Est-ce que tu nourris ton corps mental avec des belles pensées, avec des lectures inspirantes, ou est-ce que tu nourris ton corps mental en faisant tourner en boucle le programme appris, le pilote automatique que tu télécharges sans même t'en rendre compte. La création de ton univers intérieur et ce que tu télécharges dans ton corps physique, c'est ce qui va te permettre d'expérimenter la réalité. La création de cet univers intérieur va créer ton expérience de la réalité qui te semble extérieure. La lumière de ton âme passe par ton corps, ton instrument, et projette, manifeste une réalité plutôt qu'une autre.
Et c'est juste une invitation à une vigilance, mais à une vigilance amoureuse. Pas une vigilance pour se culpabiliser, mais une vigilance pour accepter dans notre sphère intérieure ce que nous souhaiterions offrir à un enfant, par exemple, ou à un être aimé. Irais-tu offrir à un enfant des pensées de séparation, des pensées de peur, des pensées de doute? Irais-tu offrir à un enfant un environnement qui le coupe de sa relation au grand vivant? Qu'est-ce que tu as envie d'offrir? Alors, offre-toi-le en connectant avec ton intériorité, ton enfant intérieur. Est-ce que tu lui donnes la place pour s'exprimer? Est-ce que tu donnes de la place dans ta vie à la joie? Est-ce que tu donnes de la place dans ta vie à suivre ce qui te met en joie, mais aussi à t'octroyer des temps pour toi? À écouter la sagesse de la tortue qui nous invite à honorer notre rythme intérieur qui est différent pour chacun. La seule façon de ne pas rentrer dans un mode pilote automatique et de ne pas créer une expérience de la réalité qui perpétue des mécanismes et des schémas anciens et de casser ce cycle, de casser quelque part ces programmes, de déprogrammer. Et ça, bien sûr qu'on peut le faire à travers des soins, à travers les pratiques de yoga, de méditation, mais surtout, ou plutôt la pratique est un outil qui te permet de développer cela quotidiennement, qui est la pleine présence à toi. La pleine présence dans l'instant présent, de la pleine présence dans un état de silence intérieur. Une fois que tu te laisses embarquer par la pellicule de pensée ou par tout le programme inconscient, en acceptant des pensées, et souvent des pensées pas très joyeuses, tu es en train de créer de façon automatique par cet ancien programme. Mais lorsque tu te places dans une écoute intérieure, lorsque tu es dans la pleine présence à toi-même et que tu navigues ta réalité en pleine présence et conscience de ce que qui te traverse et que tu choisis consciemment les pensées que tu acceptes comme vraies, tu deviens alors un créateur conscient parce que tu es en train de nourrir ton univers intérieur consciemment. Et cet univers intérieur manifeste une réalité plutôt qu'une autre. La méditation est une vigilance, une présence consciente à chaque instant que nous développons par, bien sûr, les pratiques qui nous soutiennent dans ce cheminement. Toutes les pratiques aident à la déprogrammation cellulaire, soutiennent la déprogrammation cellulaire de tous les mécanismes, de tous les schémas perpétués de génération en génération, de tout l'émotionnel cristallisé depuis ton enfance ou depuis bien plus longtemps que cela. Que ce soit la méditation, les pratiques de Kundalini ou de Yin Yoga sont très efficaces pour ça, les soins aussi. Mais cela est un tremplin pour que cela devienne un état d'être. Et ça, j'insiste, parce que méditer 15 minutes par jour en mode pilote automatique,
ça n'aura pas un profond impact dans ton être et dans ton expérience de la réalité. Et nous co-créons tous ensemble ce monde. Et il est de la responsabilité de chacun de créer un monde intérieur où résident beauté et amour, pour que nous puissions ensemble créer un monde de beauté et d'amour sur cette planète. Cela commence toujours en nous, dans nos choix quotidiens, dans tous nos choix quotidiens, dans notre relation à nous-mêmes, aux choses, aux êtres qui nous entourent, à l'environnement qui nous entoure. Des choix. Qu'est-ce que j'accepte comme vrai? Qu'est-ce que je nourris avec mes actions, mes pensées? Où est-ce que je place mon énergie? Aliale, Eliala, Talakole, Elekolikiaka, Untianaka, Alianako, Mane Unakianake, Ulianakaneke, Le Onu Ani Aneke, Una, Weke Una, Aquagaye Yelene Unake. Tula wale alaneke, avec tout mon amour.